l'endroit le plus sûr que je connaisse. Je peux venir avec vous. Tu vas rester caché, le temps que je comprenne ce qui se passe. Oh, c'est vous qui avez appelé. Oui. Oh, et tu dois être Victoria. Entre, mon enfant. Merci pour votre aide. Elle compte beaucoup pour moi. S'il vous plaît. Je vous en prie. Nous prendrons bien soin d'elle, mon fils. Diana a dit que tu devais porter ce collier. Ne le perds pas. Vous allez revenir ? Je veille sur toi. C'est 37,50 la nuit, et pas d'embrouille, ok? Ouais. Birdie, il faut qu'on se voit. J'ai entendu parler de tes exploits récents. Ouais, je dois dire qu'il faut une sacrée paire de couilles pour s'en prendre à ses patrons. Mais j'imagine que t'appelles pas pour ça. Tu veux que je te refile des informations, et moi je veux bien t'aider. Mais j'ai comme qui dirait besoin d'un petit coup de main. Écoute, y a un type, un tocard qui se fait appeler le roi de Chinatown. C'est pas le genre à faire dans la finesse. Bref, j'aimerais bien que le roi abdique, si tu vois ce que je veux dire. Bien. Donc ce roi, il habite dans la pagode en plein... Ok, je vais juste couper un petit peu sa discussion. Baisser le volume de la musique. Je vais baisser un peu les effets. Voilà, on va baisser les effets de ça. Et le volume des voix, on va l'augmenter. Ce qui est parfait. Voilà. Jean Beaumann. Sa grouille de flic qui surveille ses moindres faits et gestes. Il quitte rarement la foule, sauf pour aller voir son dealer dans une piole qui surplombe la place. Ah, il a aussi une chouette bagnole, une européenne, garée dans une allée pas loin. C'est tout ce que j'ai comme info. C'est déjà pas mal. On aura fini, ok ? C'est déjà pas mal. Donc on doit tuer le King de Chinatown pour obtenir l'aide du fameux Birdie. Il y a un truc que j'ai remarqué, vous avez été déconnecté au réseau Steam, les fonctions en ligne sont plus accessibles. Oh, d'accord, bon, on s'en fout. Je sais pas si vous avez remarqué quand même, par contre la voix de la petite fille là, de Sarah je crois, que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je peux pas la blairer, je sais pas, j'aime pas. c'est physique. Wouh, salut. Tout est frais, mais délicieux teriyaki à la poêle. Mais c'est que ça me donne faim ça. N'allez pas dans ce magasin là, il est pas propre. Ça me donne faim. Ah bah voilà, une bonne mission style Assassin's Creed, c'est avec le max de monde autour. Ok, c'est parti pour 6. Mm-hmm. Des fruits et des légumes frais. C'est quoi ça ? Des fruits et des légumes frais. De la soupe de nouilles maison. Profitez-en pendant qu'elle est... Prendre une bouteille, ça peut toujours servir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? Il existe d'innombrables façons d'éliminer le roi de Chinatown. 12 de ces méthodes débloqueront des défis. Consultez le carnet pour les découvrir. Ah, me saoule pas! Putain, j'étais en train de faire un truc là, merde! Eh voilà, trop tard. Punaise! Central, j'ai entendu un
Merde. Merde, merde, merde. Oh, quoique. Parfait. Bizarre. Parfait. Central, je viens d'être témoin d'un meurtre. Merde. Terminé. Ah. Ouh. Mais what the f... Bon. Désolé. Non, j'avais promis de la discrétion. De la discrétion. Donc je vais être discret. Pas commencer à faire le bourrin. Mais c'est avec l'autre là. L'autre qui me donne que des astuces à la con là. D'ailleurs, je vais les enlever parce qu'elle me saoule. Instinct, voir ennemi. Message d'initiation. Non. Instinct, voir trajectoire. Ok. Astuce. Non. Sous-titre. Mais oui. Bah voilà, ça y est, j'ai trouvé le sous-titre. Message d'initiation. Voilà. Bah voilà, je les ai trouvés. Fallait faire ça en fait. Fallait que l'autre elle m'agace en fait. Bon, ouais, mes poissons, ils sont bons, tes fruits de mer, blablabla. Allez, poussez-vous. Poussez-moi de là, poussez-vous de là. Pardon, pardon, pousse-toi, pardon, pardon. Le mec, il est un gros chieur. T'es à côté, tu peux passer, mais non, 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 moi j'ai pas vu de la foule. Pardon, pousse-toi, pardon, pardon, pousse-toi, 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 pousse-moi. Pardon, 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 excusez-moi, pardon, pardon. Les gros chieurs. Non, c'est pas vrai. J'ai tout vu, qu'il dit. Oh, parfait. Mmh. Ça va être visible, ça. Parfait. Allez, 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 va le cacher, va le cacher. Yes. Allez, cache. Voilà, parfait. J'ai vu qu'il y avait des explosifs tout à l'heure. Armée, explosifs. Attends. Voilà. Il y a un truc à faire là, non? Bien, où sont les flics? Oh non, voilà un. Ah, ma cible, ma cible. Qui veut de la soupe aigre douce? Mmh, c'est un délice, aigre douce. Stéréotype quand tu nous tiens. C'est bien, comment ça? Il existe d'innombrables façons. Adios, muchachos. De Chinatown. 12 de ces missiles débloquent. Oh! Ah! Profitons de la foule. Mm-hmm.
Merde. Faut que je passe devant, je crois. Oh, le saut qu'il a fait, l'autre! Vous avez vu ça? Épique, quand même. Est-ce que si je passe comme ça... Parfait. Merde. Central, il y a quelques interférences ici. Je vais aller jeter un œil. Ouais, bye bye. Moi j'en profite pour me barrer. Mission accomplie. Facile. Un peu de mollet pour un pauvre malheureux. Hé, mais y a du café là-dedans, connard. N'importe quoi. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Je cherche une information. Ça tombe bien, c'est mon business. Tu veux des infos, je te trouve des infos. Je vais te payer, bien sûr. Ouais, évidemment que tu vas payer. Ça, c'est clair. Une fille qui s'appelle Victoria. L'agence en a après elle. Je veux savoir pourquoi. Non, attends. L'agence. Tu veux que j'enquête sur l'agence? Mais t'es taré. Ouais, t'es taré. Bon, et j'y gagne quoi? Ton prix sera le mien. Tes outils. Maintenant, à toi de jouer. Si tu entends parler de la fille, tu sais quoi faire. Je t'appelle. Oui, tu m'appelles. Ben voilà! Niveau vétéran, je suis arrivé pile poil vers la baraque. En fait, ce qui m'intriguait, c'est qu'il y ait le garde là-bas, en fait, sur le côté, à côté de la baraque. Je me suis dit, il doit y avoir un truc à faire là-bas. T'sais. Enfin, à force, dans les Hitman ou dans tous les jeux un petit peu d'infiltration, tu te rends compte que ça pue. T'sais. Les moindres trucs comme ça, tu te dis, il y a un truc à faire. Et là, finalement, pouf, explosif à côté du véhicule, t'attends que la cible y aille, tu fous l'alarme. Moi, je pensais au début, en fait, que l'alarme, ça allait attirer non pas le mec de l'objectif, mais un garde, en fait, que j'avais. Enfin, les gardes qui étaient sur la boussole, hein, tout simplement, à côté, c'était les petites flèches blanches. Donc, je pensais qu'ils allaient venir. Je pourrais faire péter le truc, ça ferait diversion, que le mec serait sans protection, hein, tout simplement, et que je puisse y aller buter. Mais finalement, en fait, il a fait un super saut périlleux de la mort qui tue pour atterrir sur la sauce aigre douce. Et du coup, bah nickel, peinard, j'ai pu me barrer comme ça parfaitement. Bon, écoutez, encore une fois, je vous avais promis des vidéos, bon, bah 30 minutes de compagnie, mais je pense qu'en fait, pour ce let's play, je vais éviter de vous promettre ce genre de temps, parce que je vois qu'en fait, il y a des titres pour les parties, donc pour vous, ça peut être sympa, parce que si vous avez le jeu, par exemple, vous dites, putain, comment il a fait, lui, dans la mission, bah, le roi de Chinatown, comment il a tué le gars, hop, je vais marquer partie 2, le roi de Chinatown, enfin, ou je me rappelle plus, je crois que c'est partie 1, plutôt le roi de Chinatown, et vous aurez plus qu'à aller dans l'émission pour regarder comment j'ai fait, etc., ça peut être sympa pour vous. Donc, je pense qu'une vidéo, un chapitre, ça peut être pas mal, et puis je trouve que ça respecte un petit peu le temps réglementaire de YouTube, c'est-à-dire 15 minutes environ, donc c'est pas... C'est pas plus mal, on va dire, hein. C'est une bonne technique. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner des suggestions. Franchement, n'hésitez pas, moi j'adore, au contraire, j'adore avoir un dialogue avec vous. D'ailleurs, vous le voyez, hein, je réponds à tous les commentaires, même si on a 4 ou 5. Bon, certains youtubeurs me diront 4 ou 5, ouais, super, waouh, comme t'es famous. Non, mais je m'en fous, moi. Comme je vous ai expliqué, mon but c'est de faire des vidéos parce que j'aime faire des vidéos, c'est pas non plus d'être connu ou quoi que ce soit. C'est parce que j'adore faire des vidéos. Je trouve qu'en ce moment, il y a une petite communauté qui commence à se créer. C'est super génial, donc franchement. Encore une fois, bon, je vais vous remercier toutes mes vidéos, mais je peux pas m'en empêcher. Voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine pour la suite de Hitman Absolution. J'espère que ça vous plaît. Bye bye.